Voilà, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur Smash Bros Melee. Donc là, je vais choisir mon personnage là. Je crois que je vais prendre Captain Falcon. Et ça va pas être fest de KO de KO en 10 minutes. Alors, on va mettre stock. Additional rules. Voilà, 8 minutes. Et on va quand même mettre à 3. Parce que sinon, voilà. C'est pas très très fort. Donc Captain Falcon, c'est l'un des meilleurs du jeu. Il a été bien classé dans quasiment toutes les tier list. Enfin, presque. Sauf au début, il était à peu près 15e ou 16e, un peu plus. Mais dans quasiment toutes les tier list, il était bien classé. Et là, on va jouer pas en mode versus pour une heure. Je vais pas vous dire, mais là, ça va être un live de l'ASP auquel vous pourrez aussi poser vos questions. Et tout en commentaire. Après, il y a tout le monde qui peut arriver. Hein. Il y a beaucoup s'ils veulent voir Melee, c'est seulement comme ça que vous verrez. Évidemment, Falcon, c'est l'un des meilleurs parce que il y a un an, je jouais plus Captain Falcon que les autres. Et qui est d'ailleurs mon deuxième jeu GameCube. Mon quatrième. C'est-à-dire que mon tout premier jeu GameCube, c'était Pac-Man World 2. Évidemment, il coûtait 30€ que j'ai eu à Zcash. Et d'ailleurs, si vous habitez à Montévrin comme... ça je peux pas dire. Et si vous y allez à Zcash, vous voyez Melee sur YouTube et tout, au moins vous pourrez... Il y a encore un Smash Melee que j'ai vu aujourd'hui. Mais j'ai le jeu. Ça fait un an que je l'ai. Je me rappelle plus quel jour je l'ai eu. Dire que mon téléphone, maintenant, je l'ai cassé. Malheureusement, je l'ai cassé sans faire exprès en faisant tomber. Voilà. Soit-ci, on va prendre Mario. Et surtout que là, j'enregistre sur ma carte SD parce que mon stockage interne, il y a trop de conneries là. Et ouais, aussi, ma patience douloureuse a aussi ses limites. Donc voilà, là, si on... Voilà, la musique elle a changé. En plus, c'est le Smash Bros le plus rapide que vous pouvez avoir. Le Smash le plus rapide qui puisse exister. J'espère que vous verrez bien parce que c'est pas trop le cas sur mon appareil photo. Et puis on m'a peut-être dit que j'allais avoir un nouveau téléphone vu que je l'ai cassé mon écran. Ou qu'on allait soit le réparer. Comme ça, je pourrais faire un peu plus de vidéos, mais malheureusement, mon recorder il a pas très très bien fonctionné à cause de ça. Mais bon, ça va, ce matin à 10h, j'ai réussi à faire sur mon autre chaîne, la Long Play World. Ça fait quelques jours que je l'ai commencé. J'ai réussi à faire un long play de Duck Hunt de la NES.
Bon, Duck Hunt en soi, ça a pas tellement de fin. Mais vous pourrez jouer au jeu de tir. Et je sais pas, mais en fait, pour y jouer sur émulateur, vu que moi je fais ça tout le temps, sinon je peux pas enregistrer les jeux. Enfin, mais que des jeux Mega Drive, GameCube, tout ça, donc c'est pas très marrant sinon. Et du coup, dans cette chaîne, je pourrais peut-être pas faire des GameCube longplay parce que ma caméra, comme j'ai dit, est aussi. On verra tout le contour sinon. Hein. Mais j'ai installé une appli exprès pour qu'on voie que le jeu. Et qu'on voit pas les autres trucs et tout. Hein. Donc voilà. Hop! Voilà, ça envoie en haut. Voilà, deuxième game fini. Et du coup, comme vous pouvez peut-être voir, j'ai des Pac-Man. Ouais, non. Bon, allez, là maintenant, on peut vraiment commencer. Allez, vas-y, cette fois-ci, on va prendre qui? Je vais prendre de qui? Tiens, Luigi, je vais mettre. Maintenant, je vais mettre contre Samus. Et j'ai réactivé la musique. Parce que je pouvais pas mettre d'autres musiques comme musique Pac-Man arrangement, car il faudrait la remettre toutes les 15 minutes. Enfin, Pac-Man arrangement, Final Boss HD, je sais pas quoi là. Car j'aime bien cette musique. Moi. Oh putain. Après Luigi, en soi c'est un personnage qui a fini en D mais qui est quand même assez haut. Genre il est 13ème. 13ème sur 26. Donc il est dans la moitié de la tier list. Sinon après bah le tiers ils sont pas viables. Enfin, ils sont moins viables, mais il y a un truc que je trouve bizarre dans la tier list de Melee, c'est que Mario il se retrouve en E tier. Car avant il était vraiment bien noté. Genre il était high tier 5ème, 6ème, je sais pas quoi. Tier list en 2002, hein, je parle. C'était une bombe. Mais avant, c'était une bombe. Les tournois Melee, il y en avait beaucoup. On peut faire tout ce qu'on voulait, mais à cause de ce putain de virus là. Ce putain de virus qu'elle, ça fait presque un an qu'il est sorti là. Et bah tout est fermé, on peut rien faire comme on veut, on est obligé de porter un masque. C'est pas juste. Et aussi, même s'ils nous confinent, bah ils mettent quand même l'école. Ce qui est pas logique. Mais ce qu'il faut faire, pour pas aller à l'école, une excuse, si vous voulez pas aller à l'école à cause du Covid, tout ça, dire que, moi, je crois, non, ma mère m'a dit que, comme ma mère m'a dit, dire que Damien a attrapé le Covid, je sais pas quoi, ne vont pas nous croire. C'est pour ça que c'est horrible, que la vie est horrible et injouable. Surtout, vous savez, la vie est devenue encore plus mauvaise. À l'époque, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, on pouvait se voir entre amis plus souvent. Bref, c'était super avant. Putain, c'était super. Parce que quand le virus, j'espère qu'il va plus tenir en été, parce que là, l'hiver, il reste du temps encore. Même s'ils disparaissent.
si quand il voudra arrêter. Enfin, j'espère. Mais franchement, s'il nous confine, ce qui est pas logique, c'est qu'ils mettent l'école. Vous êtes pas d'accord avec moi? Mais bon, là. Alors. Et du coup, hier, j'ai fait une soirée Pac-Man. Oh putain! Après, j'aimerais un jour avoir la Master System. Mais ça va peut-être pas être possible. Après, j'ai une PS2, mais bon. Moi, j'aurais pas. C'est pas que j'aime pas la PlayStation, mais bon. J'ai une PSP, ça suffit comme PlayStation. Genre, on aurait pu m'offrir, je sais pas moi. On aurait pu m'offrir. Je sais pas, une Master System, par exemple. Mais là, mais là, c'est même pas le cas. Bon, il y a des Pac-Man, mais je sais pas. Oh putain, mais qu'est-ce que je fous? Voilà, faut que j'arrête de parler. Je vais me concentrer plutôt. Voilà, il m'aura 210. En plus, Mart, il a une super portée. Après, imaginez, après dans Smash Melee, j'aurais aimé que Pac-Man il existe dans Melee et tout. J'aime tellement son épée que ça me donne envie de le jouer toute la soirée. Enfin, que ça me donne envie de le jouer tout au long de la vidéo, quoi. En plus, je sais pas. Je sais pas quel est l'intérêt de mettre l'école au Covid. Vous êtes d'accord avec moi, ça n'a aucun intérêt, même ma mère le dit. Donc vous savez, je vais arrêter de me lever les matins et je vais me rendormir. Je vais me rendormir quand ma mère elle pourra partir au travail là, 10h et tout. Bah j'ai rien. Mais je rigole évidemment, mais franchement c'est bon quoi. Faut arrêter, l'école c'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire, mais c'est vraiment un chien. C'est lourd. Pour les enfants, c'est lourd d'aller à l'école avec le Covid, le masque, tout ça. C'est lourd. Oh mais putain. Oh mais pitié, mais tuez-moi. En plus, Samus, tellement je les déteste celle-là. Samus, en fait, un personnage qui m'a vraiment énervé. Enfin, Samus, c'est un perso que j'aime pas. Tout simplement. Pourquoi? Parce que Samus... En fait, si Samus, je l'aime pas. Parce que ses attaques sont bizarres, non? En plus, dans le teammate, Samus est devenu high tier sur certaines tier listes. Et elle est plus en low tier. Limite tier. C'est vraiment n'importe quoi. Ah merde, mais pourquoi j'ai choisi Roy? Je voulais pas choisir. Alors Roy, c'est. Pour moi, ça peut être l'avant-dernier. Hein. Ce jeu. Bah, c'est l'un. Il pourrait être avant-dernier dans ce jeu.
Mais après, Roy, il est low tier dans le jeu. Ness, il est bottom 5. Je vous le dis, mais lui, il est mauvais. Pourquoi? Mais... tout simplement... Ness, vous avez... voir. Je crois que ça, pour les joueurs de Ness, ça va leur choquer. Mais... Ness, dans Melee, il est classé 23ème sur 26. Putain. Putain, il est 23ème sur 26. Moi, je le mettrais même avant-dernier. Mais je sais pourquoi. Parce que en fait, son piqué Thunder est tellement puant dans le jeu que il est pas bon. Après, dans Melee, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils mettent Sonic, Pac-Man. What? Non mais attends, ça, j'ai vu un Spike, c'est n'importe quoi. Mais vous savez savoir, des fois la hitbox de sa hitbox de Roy est tellement des fois complètement aléatoire que des fois, genre si vous faites votre dash attaque, et ben des fois ça touchera pas. Comme si c'était les frites qu'on trouve là dans les piscines. Évidemment, parce que oui, ce personnage, il est vil. Dans le jeu, il est vide. Hop, allez, prends ça. Après, je sais pas si vous savez, mais j'ai pas fait de test encore sur un jeu Astérix. Après, plus tard, je sais pas si je vais travailler un homme co, je sais pas. En plus, j'ai pas envie d'avoir un métier plus tard. Sauf sur les jeux vidéo, parce que... franchement, c'est ça qui est chiant et pourri là. Et je sais pas, mais dans la chaîne, on a presque fait 200 vidéos. 200, presque. Hein. J'ai pas dit qu'on a fait 200 vidéos. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Première vidéo, c'était sur Mario. Ouais, sur un Mario HD que j'ai arrêté depuis 2 mois, je crois. Parce que j'avais pas très le temps, je devais faire d'autres jeux. Comme je sais pas moi, je devais faire des Sonic, des genres de jeux comme ça, ou des Wario et tout. Mais ma chaîne, ça fait 4 mois qu'elle existe. Et mon ancienne là, qui avait pas de photo de profil. Bah voilà, donc ça c'est un bon moyen quand il n'y a peu de pourcentage. Enfin, non, à beaucoup de pourcentage. Oh les putain. Après Mewtwo, je considère que c'est l'un des meilleurs du jeu. Parce que vous allez complètement défoncer vos adversaires avec lui. Imaginez dans Project M qui ressemble un peu à Melee, bah Mewtwo, je sais pas si vous savez, mais dans la tier list, il est 10ème. Dans une des tier list de Project M en 2016, il était en A+.
Même Mister Game & Watch, hein, je peux vous dire, lui, il est très très bon. Mister Game & Watch, moi, je le considérerais même troisième du jeu. Comme Mewtwo. Hein. Bah, je crois pas pourquoi dans Melee, Mister Game & Watch et... Je crois pas pourquoi Mister Game & Watch a... Et Mewtwo étaient en F alors qu'ils étaient en, alors qu'ils sont A plus dans Project M. Et Sonic aussi, c'est pareil, il était 20e au début, mais après, voilà, dernière tier liste officielle, il était en A moins, 10e. Donc, allez, c'est parti, on va faire un autre mode. Le pire mode. Target test. Allez, on commence par Dr. Mario. Voilà. Hop. Oh merde. Donc, de toute façon, j'avais pas battu mon record. Alors on va recommencer. Tiens. J'ai tout réussi en 11 minutes. Est-ce que faire un wall jump, Dr. Mario? Ah bah apparemment non. Voilà, merde, j'ai pas abattu mon corps. Oh putain, merde. La chance. Aussi, j'avais fait des vidéos drôles dans ma chaîne, dans mon ancienne chaîne. Ouais, en fait, donc Dr. Mario, il peut pas wall jump. Oh putain. Hop, ça. Ah yes, un coup de pied, c'était facile, mais merde, mettons pas. Oh là. Possible ça. Désolé, c'était mon téléphone qui est tombé là. Non mais putain, pas possible ça, c'est incroyable. Du coup, Mario, je fais que 20 secondes.
Putain, mais vas-y, merde. Et surtout, Fox. Et considéré comme le meilleur personnage du jeu. Oh putain, merde. Bon allez, c'est pas grave. Je vais pas vraiment faire tous les persos. C'est beaucoup mieux, le mode. Merci. Est beaucoup mieux. Alors maintenant, on va prendre Fox. Et non, j'ai l'impression qu'on m'avait parlé. J'espère pas qu'on va parler de ma vidéo parce qu'après, si ma mère elle va passer sur YouTube et qu'elle a pas envie, voilà quoi. Après, je dois être obligé de recommencer la vidéo. Le shine, c'est la meilleure attaque du jeu. Après le shine, ça permet à plein de choses. J'ai des projectiles, même taper. Ce qui peut casser la recovery. Genre un Link, ça va être très très dur, genre ce combo là il essaye de revenir. Merde, voilà, je l'ai raté. Voilà, là c'est une recovery qui ne servira à rien. Mais merde, putain, allez, vas-y, mais reviens sur moi. Voilà, là c'est très 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 intense. C'est très intense quand même parce que... On a aussi Falco qui est pareil dans le jeu. Il est pareil. Bon allez. Ah moi ils ont trié les personnages. Ah c'est dommage qu'il n'y a pas Diddy Kong, qu'il n'y a pas Pac-Man, Sonic, Wolf. Mais ils ont quand même... Enfin... S'ils auraient mis un perso supplémentaire, ça aurait été super. Il y aurait eu Wario. C'est trop dommage. Oh putain. Ouais, Falco, il a une moins bonne recovery que Fox. Mais Fox est bien meilleur que Falco. Mais Falco, son shine est très délirant aussi. Hein.
Bon, après, ma mère, maintenant, toute la soirée, ça se trouve, elle va chanter toute la soirée. Parce que... Alors, rendez-vous, là, et tout. Ah, je vais faire ça avec mes copains et tout, tout en faisant ce qu'on fait et tout, et on parle et tout. Par contre, s'appelle comme ça et tout, ce serait trop bien. Ce sera trop bien. Hop. Oups! Mon Dieu. Au moins, ce sera peut-être entre garçons. Enfin, faut espérer. Parce que moi, je suis un mec. C'est mieux d'être entre mecs. Surtout pour les gros mots, quoi. Mais bon. Il n'y aura pas ça, putain. Ah, moi, allez, Falco, il a bien, bien, bien réussi. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Merde! Putain. Du coup, on peut aussi faire Queen. Et comme ça, bon, vous pouvez avoir des pièces tout. Par contre, je ne sais pas si c'est utile pour avoir plus de pièces. Ça, je n'en sais rien. Bon, tiens, je vais prendre Mario pour ça. Oh merde, c'était pas le stage qu'il fallait. Arrête, Roudoudou. Et vous allez voir que Roudoudou, je le hais. Vous savez pourquoi je le hais. Attends, regardez. Non, mais putain, regardez son. Ses pleurs. Regardez, tout simplement. Non, mais il se fout de la gueule. Non? Il se fout. Vous le trouvez chiant quand il pleure dans Smash Bros? Et regarde, là, regardez, il est en pleurs. Non, mais attends, sérieux là? Putain, mais Roudoudou, voilà. T'es vraiment bête, Roudoudou. T'es bête, j'appelle la police parce que tu vas pleurer, Roudoudou. Mais après, Roudoudou, pleure. Comment me frapper? C'est ça, vous voyez? On aurait juste dû interdire aux développeurs de mettre Roudoudou dans le jeu. Genre dans Smash 64, Roudoudou, je n'aime pas. Alors, vous savez, vous l'en a dit. Mais donc vraiment, c'est un gros personnage de ce jeu. Mais est-ce qu'il était si bon que ça finalement? Vous voulez savoir un indice? Alors, Doudou, t'aimes bien perdre? Eh ben moi, non. Non, ça fait pas gagner de pièces. Mais ouais, en tout cas, c'est amusant. Techniquement, ce match contre la montre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? On va prendre ça. Non mais c'est la même chose que...
Ok, plus un score pour moi. Doudou, mais tu arrêtes de pleurer. Vous voulez savoir s'il est chiant? Est-ce qu'il est si bon que ça finalement? Je vous espère un indice. Non! Putain, mon doudou, tu vas voir. Pas pourrir en enfer. Allez, putain, merde! Allez, mais meurs là! Oh! Putain, tu m'énerves, mon doudou! Comment je te déteste, mon doudou, sérieusement! Arrête, mon doudou, je hais ta couleur. Je hais ta couleur. Enfin, non. Je hais ta voix. Je hais tes conneries. Maintenant, tu arrêtes de pleurer. T'as compris? Je t'ai dit quoi, doudou? T'arrêtes. Je t'ai dit quoi, là? Je t'ai dit quoi? Et ça te fait rire de pleurer en plus? Bah tu vas voir, je vais te brûler. Putain, mais va te faire voir, mon doudou. Hop, tu vois, ça t'apprendra. T'aimes trop les conneries, voilà. Ouais, test de talent, 2 minutes, c'est bon. Il s'en bat les couilles. Hop, hop, hop. Je joue pas tellement Pikachu dans le jeu. Non, bon allez, je prends Marx. Non, 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 Mister Game & Watch. Mais je me suis trompé de perso. Alors maintenant, mon doudou, tu vas voir. Tu vois, il fait ça comme bruit pour pleurer. Je te hais, tu vas voir. Je laisserai pas gagner Rondoudou, sincèrement. Même pas une seule fois, putain. Je hais les capacités de Rondoudou. C'est qu'un personnage à la con qui est léger de 1, il est léger, de 2, il a pas trop de combos, de 3, et il pleure tout le temps, voilà, c'est tout, les, donc voilà, vous avez les raisons pourquoi je déteste, voilà. Hop, allez, arrête. Hein? Mais non! Non mais, je peux pas croire ça. Je suis complètement passé au travers. Attends, je regarde ça. Là, je suis pas passé de travers. Ouh! Oh là, je suis con. Vraiment une bête. Thank you.
Allez. Et je vais vous montrer à quel point Ness est mauvais. Ça se peut être un costume pour Nintendo. Allez, je vais prendre ce costume. Et vous allez voir pourquoi il est considéré comme mauvais. Vous allez voir pourquoi. Bon, on va changer de stage hein, parce que depuis tout à l'heure, vous voyez que Battlefield et Destination Finale. Et aussi honnête, mais que je compte pas parce qu'on l'a utilisé qu'une fois dans cette vidéo. Et Ness, on se dit, bon, il est pas si mauvais. Parce qu'il a un yo-yo glitch. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que je mettrais en S. Mais pas du tout. Et voilà la raison. Son Piquet Thunder, il est trop large. Donc si vous faites éjecter par lui, que vous êtes un Donkey Kong ou un Bowser, et que vous êtes pas que vous prenez un personnage gros, bah voilà. Tout simplement. Et après, il y a une vie qui peut être horrible hein, que je viens juste d'apprendre aujourd'hui. Un stomp juste pour maigrir. Bon, sur les ados et tout. Mais moi, je n'irai jamais là-bas sinon. Mais bon, on a passé ça, c'est limite. Oh mais putain hein. Non mais Wispy Bull. Non mais attends. Je suis tombé. Non mais c'est une blague là. Non mais putain hein. Le voix il s'est arrêté. Bah c'est pas grave. C'est dommage qu'il n'y a pas un... À l'époque il n'y avait pas de système en ligne. Bon allez, voilà pourquoi Ness est mauvais. J'ai l'impression que ma mère chante, mais je sais pas. Ah, j'ai juste pour chic. Voilà. C'est juste pour chic, hein. Après, voilà la façon pour jouer chic. Et sa tonte est différente quand un chic et puis attends, laisse-moi parce qu'on est en chic, merde. Parce que moi, en fait, moi je joue pas tellement Zelda dans les Smash Bros. Enfin, de temps en temps, on va dire. Et pas tout le temps, quoi, parce que c'est pas mon perso, en fait. Hop. Bon après, c'est vrai le side B de chic ou shake, comme vous voulez. Oh putain. Oh putain.
Oh putain, je sais qu'il est plus rapide, même si ses mouvements sont pas assez puissants. Ouais, Zelda, elle est pas assez forte, hein, quand même. Et si vous voulez revenir au terrain, vaut mieux jouer en tant que Zelda parce que Chic, en fait, il a une moins bonne recovery. Attends, alors je vais me mettre là si je veux bien. Voilà, là c'est la distance de Chic. La distance de Zelda, ça va jusqu'à là. Ça va bien plus haut. C'est juste un conseil, hein, vous n'êtes pas obligé. Je suis transformé en Chic, j'ai pas envie de voir l'écran de victoire. Merde. Oui, yes, Chic, lui, son forward air, c'est le meilleur du jeu. Tout simplement. Voilà. C'est tout ce qu'on voulait. Après, je sais pas si je... Je sais pas quel est le site pour créer un jeu vidéo. Bah, je suis encore un enfant. Comme ça, j'aimerais bien créer un fun game Sonic ou Pac-Man. C'est trop bien. Comme ça. Ouais, je vais faire un jeu comme ça. Et puis, je mettrai ça en description. Et d'ailleurs, un truc que je vous remercie pas d'ailleurs, c'est que bah, il y a une vidéo là de vous abonner à ma chaîne et regarder la description. Bah, personne vous avez pas regardé la vidéo, et ça m'énerve. Enfin, voilà. Après aussi, pour les jeux de la Switch, ça va être compliqué aussi. Et donc du coup bah, Pikachu au début de ce jeu il était pas très bien classé, il était mi-tier voire même le tiers. Mais ce qui est dommage, c'est que moi, si j'avais la NES, ça aurait été trop bien. Bon, moi, j'aurais largement préféré une NES qu'une PS2. Bon. Bah, c'est pas que j'aime pas la PS2, mais je suis pas la PlayStation. Bon.
Tue pas PlayStation, merde. Enfin, à part la PSP, parce que bon, moi j'ai la PSP, ça me suffit largement. On peut en PlayStation, ça me suffit largement. Tiens, les Mendorf, vous l'avez pas vu dans cette vidéo. Oh putain tas de merde. Mais qu'un rig tout beau. C'est de l'espagnol. Ne vous inquiétez pas pour ma santé. Elle va très très bien. Laisse-moi parler, merde. Allez, deux villes. Ouais, ma mère elle chante. Ça me saoule quoi. Parce que elle chante, mais elle chante tous les jours à peu près. À peu près tous les jours. À peu près, ça me saoule. Putain de merde. Ah putain! Sérieux, je chamboule ce type. Non, je blague. C'est vraiment un livre mort. Mais quand oui, Thomas, tout grave, putain. Arrête, Roudoudou, merde. Arrête, Roudoudou, je te dis. Tu arrêtes de dormir. Et aussi de pleurer. Arrête, mon doudou de merde. Oh putain. Merde. Mais arrête. Oh. C'est bon. Allez, allez, allez. Oh putain, doudou. Si tu pouvais vraiment. Mais putain.
Mais putain, Toto, mais réussi! Mais putain! Putain, mais mon doudou, là! Tu perds la boule dans le jeu! Oh! Mais putain, arrête! Putain, ça m'énerve! Arrête, là, espèce de poule... Espèce de poule redémoniaque! Putain, ça m'énerve, je te jure, quoi. Mais putain, mais gros toutou, réagis, poussant. Ils ont définitivement pas compris comment faire un personnage bien. Définitivement pas compris. Putain. Mais putain! Mais putain! Merde! Allez hop, mais bon sang! Mon doudou, comment je te hais, tu sais pas à quel point. Putain, pas possible ça. Oh putain, mais pas une attaque forte pour ça! Oh! Mais putain, mais pas le dodo pour ça! Mais putain, mais t'es mort à 96%! Oh! Non, mais t'es gros, m'embête, toi, doudou! Non, mais en plus, son don't be, il pouvait taper... Non, mais seulement, ça avait une plus grande hitbox, quoi! Hitbox! Merde, hein! J'ai définitivement pas compris comment on fait une attaque, hein. Et le backer, c'est l'une des... C'est la deuxième meilleure attaque de Rocket. La deuxième. Et l'attaque la plus forte du jeu, c'est le Don't Dead Rodudo. Mais ma gueule, ça! Pauvre démoniaque, va! Oh! Mais comment je déteste Rodudo! Je ne savais pas à quel point. Hein.
mais vous le savez pas à quel point je le hais. Giga Bowser, c'est facile encore. Même s'il frappe vraiment fort. Putain. Voilà, Giga Bowser, je l'ai eu. Allez hop, merde, mais c'est pas possible. Ce jeu, merde. Ce jeu, il est bien. Mais Rondoudou, il peut pourrir. Putain! Allez, Moutou, hop. Première vie, tu balais. Mais merde! Plus Rondoudou, là, avec ses cris et tout, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Oh putain, mais allez, vas-y. Oh putain. Mais putain! Mais arrête, ainsi, t'as le fan tombé! Tu m'énerves, hein, saleté de téléphone! Putain! Non mais ce téléphone, il va bien la se faire foutre parce que j'en ai marre! Pourquoi ça parle d'Armie Ganondorf? Pourtant j'étais à sa portée! Bon sang! Mais je sais pas là! Merde, fais-le! Mais putain! Mais merde! Non mais pourquoi? Faut toujours se mettre sur la tête des autres pour lui mettre un coup. C'est pas possible ça! Non mais j'étais juste trop feignant pour faire un... putain d'animation comme pour Mario. Non mais c'est pas possible ça. Non mais comment ils peuvent Non mais comment ils peuvent rater un truc aussi simple dans ce jeu? Le jeu il est bien, mais Roudoudou il est considéré comme bon. Ok. Non mais c'est vraiment un livre mort hein. Non, allez, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre de lui. Allez, du balai. Loterie. Oh là là. C'est pas possible ça. C'est pas possible de toujours être super énervé. Désolé. Moi. Je suis content, là, la vidéo, elle va se terminer. Du coup, bah, Bélé, j'espère que ce jeu vous plaît. J'espère que si vous achetez ce jeu vous plaira. Après, le moins cher que j'ai trouvé, il était à 30 euros à peu près. Merde. Bah, ça sert à rien, allez, hop. Plus de 100 trophées. Pas d'accord. Ok.
Allez, versus mode. On va faire un dernier combat avant de se quitter. C'est vraiment énervant. Vous avez vu Rondoudou comment il est passablement fatigant. Voyez, mais c'est le seul personnage où vous pouvez réussir plus facilement. Parce que non seulement faut spammer son Don B, c'est le seul moyen de réussir. Et je peux vous dire que dans ce jeu, les événements sont de plus en plus durs. Comme genre par exemple Mewtwo est de retour. Faut pas battre Zelda. Faut pas lui enlever la stock, sinon vous perdez l'événement. Allez, putain. Hop. Voilà. Tivre mort. Oh putain. C'est vrai que c'est bien. Après, j'enregistrerai peut-être des trucs pour les films et tout. Comme ça, vous pourrez voir film. Comme ça, genre, j'enregistrerai les Astérix et tout en regardant. Comme ça, vous pourrez voir. C'est peut-être ça. Hein. Ça va peut-être pas être possible. Je vous préviens. Bon, par contre, je ferai une vidéo là où je vais faire une vidéo où il n'y aura rien. Auquel je vais appeler regarder la description pour voir ce film. Et je vais faire ça, comme ça. Comme ça, ce sera plus simple. Et ça fera pas de mal. Enfin, pour ceux qui aiment Astérix. Hein. Mais par contre, si vous regardez pas jusqu'à une jusqu'à l'heure là où je joue là, bah vous pourrez pas savoir. Mais avant, je peux enregistrer des séquences de jeu comme ça qu'une trentaine de minutes. Là au moins c'est mieux. Peut faire bien plus. Oh putain. Yes.
Ah, moi, vous pouvez voir. Ça, c'est l'un. Et là, avant de se quitter, vous allez voir l'un des combats les plus épiques que vous aurez vu. Celle-là! Celle-là! Là! Derrière l'arbre de merde qui est au premier plan et tout! Voilà, je voulais juste répéter cette phrase pour. Comme dans le joueur du grenier parce que ça me faisait rire. Derrière le truc de merde! Mais voilà, vous allez voir la meilleure attaque. C'est celle-là! Celle-là! Là! Parce que c'est pour envoyer les projectiles de merde! Bon, ok, calmons-nous. C'est une attaque avec ça. Acceptons-le. Par contre, je sais qu'ils ont bien rempli et qu'il y aurait dû avoir Sonic et Wario dans ce jeu. Il y aurait pu en avoir. Ça aurait été mieux. Non mais franchement, si seulement c'était, il y avait un personnage supplémentaire, comme je sais pas, Snake de Metal Gear par exemple, Megaman, Pac-Man, Sonic, il y aurait. Oh putain! Non, c'est pour vert que je fais ça. Pac, pac. Oh, pac. Pac, pac. J'ai pas d'où vous est venu le nom de Pac-Man. Lequel, pour manger, on dit pac, pac. Pac, pac. Qui signifie manger en japonais. Et voilà, la soirée est finie. Eh ben bravo, ma soirée est finie. Voilà, bon.